mettre un peu de fantaisie, c'est très triste. Non, j'aime bien les fantaisies, surtout celles-là. Mais on devrait s'occuper un peu plus de Ted. Je ne peux rien faire pour le moment. J'ai demandé à tous mes contacts de chercher les deux dernières personnes qui ont acheté ces chemises. On n'a plus qu'à attendre maintenant, en essayant de garder le moral. Mais c'est mon frère. Il pourrait passer de longues années en prison, et moi je veux tout faire pour lui éviter ce malheur. Ouais, je sais. Je sais, Ed. Et je t'aime beaucoup pour ça. Merci. Tu te donnes beaucoup de mal pour Ted. Ça compte pour moi. Mais il y a au moins une chose qu'on n'aura pas besoin de négocier. J'ai fait confiance à ton frère presque autant que toi. Tu sais quoi? Non. Je commence à être fatiguée de négocier. On pourrait peut-être essayer de se tolérer tel qu'on est. Très bien. J'aimerais bien qu'on fasse un essai. Bravo. Alors, je crois que tout ce qui reste à faire, c'est la demande. Et puisque c'est toi qui t'en es chargé la dernière fois, avec beaucoup de classe, je dois dire, je crois qu'à présent, c'est mon tour. Oh non! Et si tu te rappelles bien, je n'en suis pas totalement incapable. Mais certaines choses doivent obéir à la tradition. Ça, c'en est une. Et j'imagine que mon père s'est mis à genoux pour faire sa demande. Alors, je pense qu'il portait un complet des dimanches et qu'il avait fait briller ses bottes comme des miroirs. Je pense aussi qu'il avait acheté le plus beau cadeau qu'il pouvait se payer et qu'il l'avait offert à la mère de ma mère, en gage de respect. Mais en réalité, je n'ai pas de cadeau pour ta famille, ma chérie, ni même pour toi d'ailleurs, mais c'est pas l'important. Eden, je te donne moi. Moi, corps et âme, avec tous mes espoirs. Et si tu veux bien me faire l'honneur et le plaisir d'accepter ce garçon, malgré ses défauts et ses imperfections regrettables, tu feras de lui le plus heureux des hommes qu'il y ait sur Terre. Oh, comment ça... Non, attends, j'ai pas fini. Depuis ce matin, on a beaucoup parlé de négociations. Et de compromis. Il y a une chose sur laquelle je ne négocierai jamais. C'est mon amour profond. Peu importe ce qui se passera. Mon cœur est à toi pour toujours, ma chérie. Pour faire tout ce que tu voudras. Jusqu'à la fin de ma vie. Je t'adore. Alors me voilà heureux. Tu veux m'épouser? Oui. Oh oui. To know you see inside me. Before we met, I thought I had it all. But who would have guessed that love would come and take me by. Surprise.